Ouais, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aux compagnies du beau gosse. Ouais, ça peut faire, ça va quoi. Ouais, bien quoi. Ouais les gars, on vous fait une petite vidéo là, on va aller chercher un quad. Bon, si la vidéo apparaît, c'est que forcément le quad on l'a acheté. Si la vidéo elle n'a pas apparu, forcément on l'a pas acheté. Voilà, on est tranquille. On est deuxième jour du confinement, c'est ça? Ouais, c'est samedi, ouais. Samedi, deuxième jour du confinement, on a fait une petite location d'une petite camionnette du Seigneur. Voilà, hein, comme vous voyez. Et du coup là on se retrouve sur l'autoroute et on va aller chercher un quad à Tours qui est à peu près à 6 heures de route d'où on habite. Donc on espère que c'est pas topé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On verra bien. On verra bien. De toute façon, possibilité, ouais. Voilà, dans la vie il faut toujours prendre des risques. Hein. C'est comme ça, coaching payant les gars. On verra bien. On se retrouve tout de suite après en ayant le quad ou pas. Moi bon, les gars, à toutes. La team, du coup les gars, on est sur le retour, c'est la suite de la vidéo. Toujours accompagné du frérot mon pote. Il a sorti le survêt Ombro. Ta gueule t'as dit. Et il parle toujours pas fort. Le petit sandwich du senior là-bas, Lucas, vu que c'est un fragile, il a acheté les. Il a acheté le petit le goûter de 4 heures là, il loupe son. Il est 4 heures là, il veut pas louper son goûter. Et voilà, hein. Montre-leur le petit tatou que t'as là. Attends. Ah, mais nique ta mère, quoi. Du coup, le gars, il va vous montrer le quad à l'arrière qu'on a acheté. Et de toute façon, on va s'arrêter sur une aire d'autoroute. Et je vais vous filmer le reste. Parce que là, je suis avec la camionnette du Seigneur, mon pote. Laisse tomber, je suis pied au plancher. Je suis même pas à 140. Là, là, on sait rien du tout, la grosse. On va pas dire de gros mots, mais bon. Vas-y, va vous montrer, les gars, le petit quad de 450 LT. Voilà la team, du coup ouais, quad homologué les gars, hein. Donc voilà, je vous montre le quad, plus ou moins, les roues, voilà, trois arrière, hop, 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 on l'a sanglé à l'arrache, à la gitanerie, hein, comme on dit, nique sa race, voilà, 450 LTR les gars, ne vous inquiétez pas, la motocross, la 125, elle est toujours au garage, là, je l'ai ramené au garage pour voir ce qu'elle avait, mais je pense que c'est comme j'ai vu dans les commentaires, alternateur, donc voilà, tranquillement, hein. Donc voilà, je vais pas passer de l'autre côté, mais les gars, il est badass le quad quand même. Il m'a coûté un petit peu cher. Mais bon, pour les vidéos, les gars, c'est sympa. En plus, je prendrai bien du plaisir avec ça. Dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle, si ça vous intéresse de savoir combien j'ai payé ça. Alors, il est sur l'air de tout route tranquillement avec le camtar de ses morts. Et voilà, attendez, hop, on va passer sur le teco. Bien sûr, c'est fermé. Hop. Et du coup de l'avant il est comme ça. Et voilà. LTR 450. Il est revoilà. Voilà, regardez comme il est attaché. Je sais même pas si ça fait quoi. On a juste sanglé un peu, on a mis une vitesse et ça bouge pas trop. Du coup les gars, dites-moi dans les commentaires si comme ça s'appelle ça vous intéresse de vidéo avec le 450 LTR qu'on vient d'acheter. Et voilà. Et s'il y a 50 pouces bleus, bah, je ferai des vidéos avec. Peace tout le monde.